Chers internautes, bienvenue sur ce nouveau numéro de Boost Lukolo, cette émission qui fait la promotion des écoles. Nous sommes à Ngoyo Kuma, à l'école privée Lilo d'Enfance. Nous sommes venus couvrir une émulation chaleureuse. Voilà pourquoi nous vous demandons d'être scotchés tout de suite pour la suite. Ah, hey, c'est le tout vraiment. Ma chérie, mais tu as quelques problèmes avec ton téléphone. Je t'appelle, ça sonne. Tu ne fais que dire allô, allô, je ne t'écoute même pas. Ah, maman, tu as quel problème? Laisse. En tout cas, les histoires de téléphone, je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne fais que dépenser mon argent, acheter le téléphone. Je suis fatiguée. Regarde, le téléphone est là-bas, je l'ai jeté. Mais si c'est quoi encore? Ça, c'est quel genre de téléphone? Mais c'est la marque Techno. Mais c'est pas un vrai Techno. Quel n'est pas un vrai Techno? Non, ça, c'est la copie de Techno. Quelle copie? C'est pas un. J'avais donné mon argent dans une boutique. Ne te fâche pas, je connais là où tu vas acheter un bon téléphone. Vers la ligne 1, là, il y a une boutique. Très bien là-bas. Il revient d'où même ce Super World Vision, tu ne seras pas déçu. Il revient. Tu ne seras pas déçu, ma chérie. Si tu es prête, on s'en va. Je vais t'emmener là-bas. Tu es sûr? Je suis très sûre de ce que tu veux. Là-bas, il y a des bons téléphones à très bon prix. Tu ne seras pas déçu. Plus que ça, la tu même. Tu sais que moi, j'ai beaucoup dépensé. Hein? Non, cette fois-ci, tu ne seras pas déçu. Chez Super World Vision, il y a toujours des trucs bons là-bas. D'accord. Allez, mets-toi debout, on va y aller. Là-bas, c'est du bon. Ce vrai, ce téléphone-là même, on n'en veut plus de ça. On va jeter ça comme ça. Vous avez un problème avec votre téléphone, pas de souci à se faire. Super World Vision vous offre des téléphones à des prix hors concurrence. Adresse Super World Vision, 6 au Grand Marché de Pointe-Noire, arrêt de bus, ligne numéro 1. Téléphone. Plus 242 06 632 21 13 05 629 04 05 ou le 04 438 50 50. Soyez les bienvenus. Allez tous les enfants, ici le sage conseiller, hein? Figaro, il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école, ok? Tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école, les enfants. Le Harold, après cela, et surtout à Déborah. Bonjour, messieurs, chers parents de Mizou. Je vous souhaite la bienvenue dans notre école Lilo d'Enfance. C'est la fin de l'année scolaire. Ça aussi, le moment de l'enfer. Ça prend déjà jour que le jour que notre belle école existe. Et pour cela, mes amis, moi, sur vos applaudissements, applaudissez-la encore bien. Le parcours qu'on voit là, c'est le couleur des enfants. Quoi? Couleur? Ici,
L'année qu'on peut le voir, les 12 mois de la naissance. Les 12 mois de la naissance, Xavier, Éprier, Mars, Avril, Mars, Joël, les cinq organes de son fils de reconnaissance. Attention, j'ai pas compris. Comme du est-ce que je peux m'entourer le bon papa s'il te plaît? J'ai posé des questions. Dites-moi, les grands n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage. Comment applaudissons-nous, chers parents? Moyennement, nous le triangle. Qu'est-ce que c'est, Moya? Le triangle. Le triangle, c'est quoi? C'est très bien, Moya. Moya, à présent, tu vas nous montrer le carré. Le carré. Qu'est-ce que c'est, Moya? Le carré. Le carré, c'est quoi, maman? Merci. Merci. Veuillez applaudir. Des applaudissements chaleureux. Dans quelque temps, ce sera déjà trop tard. On ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons. Sors de la bouche des enfants. Donnez-nous droit de devenir grand. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde. Mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants. Se faire sans l'apport remarquable
tous les enseignants de la petite section au CM2. Un grand merci à toute l'équipe pédagogique. Je n'oublie pas non plus de remercier le personnel non enseignant qui a su s'adapter pour pouvoir appliquer le protocole exigé. La cérémonie d'aujourd'hui qui marque la fin de l'année scolaire 2021-2022 est pour nous une occasion de récompenser nos élèves sans oublier les parents qui nous ont fait confiance depuis la première année, donc depuis 2017. Et la deuxième année également, on va les récompenser en 2018. Je souhaite à tous de belles vacances reposantes, énergisantes, pleines de découvertes et de bonheur. Cordialement, je vous remercie. Bravo.
n'échoue jamais. T'as quel problème, dis le vais réguler. Je suis un enfant. Papa est là, je ne veux pas y jouer. Dieu n'échoue jamais. T'as quel problème, qui le veut réguler. Il ne ment jamais. T'as quelle promesse, il veut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je veux pas y jouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi. C'est quel colère que je veux pas jouer. Il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si t'es fâché. Quand travail est semé, ce succès en moi sonne. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, ni à Bradakou la Galato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention. Dieu n'échoue jamais. T'as quel problème, qui le veut réguler. Il ne ment jamais. T'as quelle promesse, il veut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je veux pas y jouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quel colère que je veux pas jouer. Les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vaincu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut connaître votre identité? Je suis madame Goyo, la maman de monsieur Baptiste Goyo, en classe de toute petite section. Ok madame, nous voulons savoir qu'est-ce qui vous avait poussé d'inscrire votre enfant dans une école. D'abord, j'ai entendu parler parce que j'ai ma nièce déjà qui est ici depuis 2018 par rapport à son travail, et c'est ça qui m'a poussé à mettre mon enfant ici. Ok, mais quand vu que vous avez assisté à cette émulation, vous êtes un peu ces fatigués qui sont passés, quelles sont vos impressions là? D'abord, le travail est très bon, je suis très fière du travail de l'enfant par rapport à depuis qu'il est là, depuis octobre jusqu'en juin. L'enfant a beaucoup progressé et l'enfant a grandi en fait. Ok, mais nous voulons avoir des impressions concernant l'épilation. L'épilation s'est très bien passée, on est contente. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir votre identité? Je suis monsieur Bantou, lui-même. Merci monsieur Bantou, nous sommes venus auprès de vous parce que vous êtes un ancien dans cette école. Et nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez poussé d'inscrire votre enfant dans cette école. Ben, ce qui est sûr, c'est que j'ai été motivé par un parent qui était là avant moi, puisque l'école a commencé en 2017 et moi je suis arrivé en 2018. Donc ce sont ces parents-là, cette famille-là, qui m'avaient fait des révélations sur cette école. Voilà pourquoi je suis arrivé depuis 2018 et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est très bien. À base de cette expérience, aujourd'hui, vous avez 5 ans, disons 4 ans avec cette école ensemble. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour la fermeture de l'année scolaire 2020. Quelles sont vos impressions pour cette émulation qui vient de se passer? Ben, mais les impressions sont les bonnes, hein, puisque tel que vous me voyez là, je suis chargé de cadeaux. C'est-à-dire que les enfants font preuve de maturité, d'expérience, tout ça là. Et voilà, l'école enseigne très 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 bien. La preuve elle est là, les cadeaux sont là et je rentre vraiment satisfait à la maison. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes madame? Je suis madame mademoiselle. Honoriche, gestionnaire à l'école internationale de l'enfance. Ah, merci. Nous sommes contents de le savoir. Et quelles sont vos impressions pour l'émulation qui vient de se passer? En tout cas, tout s'est bien passé. Donc, au-delà de mes attentes, j'ai été satisfaite pour les 5 ans d'abord de l'ENO et les parents aussi. Les impressions sont bonnes. Vraiment, rien à dire. Tout s'est bien passé. Ok, c'est bien, madame. On dit toujours que tout se commence bien, finit bien. Mais il y a toujours une parenthèse quelque part. Nous voulons juste savoir une chose. Est-ce que si aujourd'hui
on vous demandait de quitter l'îlot d'enfance, quelles seront vos impressions? La question est non, pour rien au monde en tout cas. Non. Ça veut dire que vous êtes fidèle. Non, je suis fidèle. Vous êtes fidèle. Fidèle. Ok, merci madame. Nous sommes fidèle à l'île. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut savoir votre identité? Oui, je suis Vanessa Bourali. Et nous voulons bien savoir parce que vous avez poussé madame à inscrire votre enfant dans cette école. En voyant dans ce quartier, il y a beaucoup d'écoles. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, vous avez pensé à inscrire votre enfant ici. Qu'est-ce qui vous avait poussé et comment vous êtes arrivé ici? Déjà que je peux dire, je ne sais pas si on va appeler ça inspiration ou j'étais guidée. Parce qu'il y a de cela 2 ans, je suis venue dans la zone parce qu'il y avait une séance de prière. Que je suis venue pour un culte, assister à un culte et à la fin du culte, en sortant, j'ai vu l'école et il était aux environs 15 ans. La direction était la bonne mère. Je suis rentrée, je me suis tout simplement dit et j'ai parlé à Madame Rich qui est la gestionnaire de l'école. Elle dit que j'ai un petit garçon à ce temps, il avait 3 ans, 4 ans. Il n'était jamais allé à l'école et je cherchais une école, si bien qu'il a commencé très en retard par rapport aux autres. Et voilà comment c'est accordé, et voilà depuis 2 ans, mon fils, et je l'ai inscrit ici. Et cette année-ci, j'ai inscrit ma deuxième fille, donc ma première fille. Donc j'ai 2 enfants ici dans cette école. Je trouve qu'ils enseignent bien. Déjà que mon garçon, c'est un enfant éveillé, déjà même à la maison, par des signes, c'est un enfant éveillé. Du coup que je l'ai inscrit ici, je peux vous dire que je manque les mots tout simplement. Je remercie l'école de la maîtrise, il y avait un surveillant. Je remercie l'équipe vraiment. Et ma première fille, l'an passé, elle était au CE2. Elle était à la Luciole. À l'élection, il y a une école ici par là, dans le Mali, et je peux dire que je payais pour rien, tellement c'était cher, mais elle avait des mauvaises notes, elle était toujours dernière, et voilà. Depuis que je l'ai inscrite ici, je vous assure que, et là même, elle est deuxième de sa classe, elle est au CE2, elle est deuxième de sa classe, je vous remercie tout simplement à l'école. Bonjour madame la promotrice. Bonjour monsieur. Victor Hugo déclare que ouvrir les écoles, c'est fermer les prisons. Aujourd'hui, nous sommes dans votre établissement. Nous avons ouvert une émulation et ravis d'être ensemble avec vous. Merci. Ok. Nous voulons juste savoir quelles étaient vos impressions par rapport à toutes les prestations qui viennent d'être présentées. J'ai été très émue du travail réalisé par mes enfants et leurs enseignants, bien sûr, parce que sans la porte des enseignants, on ne peut pas assister à tous ces efforts des enfants. Je suis très émue et d'ailleurs j'ai encouragé les enfants et tout l'ensemble de mon personnel. Ok, merci madame. Quelle est la chose qui vous a plus marqué pour l'année 2021-2022? L'année scolaire, bien sûr. La chose qui m'a plus marquée, ben, le travail des enfants, peut-être aujourd'hui en fait, sinon vers la fin de cette année, voilà, pendant que les enfants faisaient un peu préparer leurs activités, tout ça, là, j'ai eu assisté peut-être 3 fois. Ben, j'ai été émue, surtout pour l'élève la séminaire judiciaire de la moyenne section, qui a joué le rôle de la maîtresse. Donc j'ai été vraiment marquée par la prestation de cet enfant. Je tiens à dire encore un grand merci à sa maîtresse pour accompagné. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui vous ont soutenu, les parents qui étaient avec vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je tiens un grand merci à tous les parents d'élèves, particulièrement à ceux qui nous ont fait confiance depuis la première année. Donc en 2017, nous avons ouvert nos portes en 2017 et je suis très reconnaissante envers ces parents-là qui aveuglément ont venu d'ouvrir, qui nous ont confié la garde, l'éducation de leurs enfants. Et vraiment merci. Vraiment merci. Ok, merci madame. Quels sont vos projets pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'envisagez-vous?
pour l'année prochaine, je pense que nous serons en relation avec le CNEM pour les cours à distance. Quand les enfants sont inscrits au programme CNEM, c'est comme s'ils sont inscrits directement en France. Parce que ce sont des cours à distance, ce sont des cours par correspondance qu'ils font. Les sujets ne sont pas traités ici, les sujets sont proposés depuis la France et ils sont corrigés aussi en France. Et parmi le CNEM, comme d'habitude, il y a des cours d'informatique depuis la grande section, des cours d'anglais aussi dès la maternelle. Il est mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous étions en Angolo-Kouba à l'école privée, Ile-de-France, École internationale. Restez scotchés pour le prochain numéro. Au revoir.